Donc c'est la première fois que je la teste. Donc c'est parti. Regardez-moi les finitions. Elle est en mi permettre de travailler la rouge Walter. Regardez-moi cette qualité, franchement. Hayabusa, Zitanos, parce que j'aime vraiment la baie. On va les peser. Parti, aujourd'hui on va vous montrer sa paire de gants en édition limitée. Salut la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo avec un produit indispensable que je vais vous présenter après. Donc je vous avais fait une vidéo sur la barboxing. Donc, barboxing pourquoi? Parce que cette partie tourne, c'est ce qui nous fait travailler donc les esquives, les blocages, les retraits et les remises. On peut aussi travailler les jambes avec ce modèle là. Et bon, aujourd'hui c'est pas le sujet de la vidéo. Aujourd'hui c'est la reflex bag que je vais vous présenter. Alors pourquoi bag? Parce qu'il y a une poire de ce style là dessus donc on va la déballer et je vais vous la présenter. Ça y est, je l'ai reçue, la reflex bag, donc un truc indispensable pour les boxeurs, et on va la déballer. Donc c'est parti. Tac. Voilà. Et tac. Hop là, mettre ça là. Regardez, il y a plein d'autres pièces. Hop là. Hop. Hop. Et voilà. Ça y est, on a toutes les pièces. Ici, on a la poire qu'il faudra gonfler après et c'est parti pour le montage. Donc cette reflex bag, elle nous vient de Benageco, donc c'est une vraie marque, hein, c'est une très bonne marque. Donc ça, c'est un sac qu'on met du sable pour tenir le pied, pour pas qu'il bouge en fait. Donc le sable, on va le mettre par là. Donc on défait le scratch. Bon scratch, tac. Après qu'on a enlevé le scratch, il y a une fermeture et c'est donc par là qu'on met du sable, quelque chose de lourd pour tenir le pied au sol. Tac. On a ensuite une vis pour pouvoir visser cette barre à la hauteur qu'on désire. Donc elle se met là. Ici, on a donc la barre qu'on va visser. Ici, vous voyez, on a un ressort qui est rigide mais assez souple. Donc il est super. J'avais une ancienne barre comme ça, mais le ressort était en bas. Donc là, ça permet des mouvements plus rapides, que ce soit plus réel justement pour les coups d'œil, les esquives. Ça, c'est vraiment le top. Et la poire avec écrit Benageco avec le logo magnifique. La poire est vraiment très très jolie. Donc cet outil de travail est utilisé par de grands champions comme Canelo Alvarez, Ryan Garcia. D'ailleurs je crois que Ryan Garcia en a sorti une aux alentours de 1000 euros, donc celle-là elle est aux alentours de 400 euros, donc c'est moins cher et je pense que c'est vraiment du bon matériel. Donc ça y est, on va la monter, c'est parti, let's go. Hop. Je vais venir mettre la barre. Je vais la mettre à peu près à ma taille. On vise bien. Tac. Tac. Elle est vue. Après, il va falloir mettre la poire ici. Ça y est, on a fini le montage. Donc on a mis du scotch ici entre la poire
et cette partie. Donc le seul bémol, c'est que pour mettre la poire sur la partie ici, il faut utiliser du scotch, et je trouve que comparément à ce système, c'est pas très ingénieux. Vous voyez ici, on a cette partie. Donc, ça c'était mieux, je trouve. Et voilà le rendu. On a la marque ici, Benageco. Il existe plusieurs coloris, bleu, noir. Moi j'ai en rouge. Elle est magnifique. Donc je vous ferai des vidéos comment l'utiliser et à quoi elle sert. Déjà là, je vais vous résumer un peu à quoi elle sert. On peut travailler les coups d'œil, la rapidité, les esquives, les déplacements. Franchement, c'est le top. Donc c'est la première fois que je la teste. Donc c'est parti. Donc maintenant, il va falloir travailler dessus, prendre le rythme, parce que c'est un peu compliqué quand même. Vous voyez, des fois ça bouge. Il faut essayer que ça reste dans l'axe. Hop, boum. Au début, on peut travailler sur un coup. Franchement, super pour travailler les coups d'œil. La rapidité. Travailler après sur deux coups. Ça bouge. Faut travailler la précision aussi. Franchement, superbe outil de travail. Donc ici on a la reflex ball et ici la barre boxing. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire laquelle vous préférez. Et n'hésitez pas à aller voir la vidéo de la barre boxing que j'ai faite sur ma chaîne Chili OTT. Donc n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. J'espère que la vidéo vous aura plu et je vous ferai d'autres vidéos comment utiliser la reflex bag. En attendant, on va s'améliorer, on va s'entraîner avec. Donc à la prochaine, ciao.